Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette de porc et bœuf stroganoff à la André cuisson sous vide. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin d'environ 750 g de cubes de bœuf à ragoût ainsi que 750 g de cubes de porc dans l'épaule ou la longe. Une chopine de champignons blancs coupés en deux. 4 cuillerées à soupe de beurre séparées en deux, 3 échalotes émincées, 1/4 tasse de vin rosé ou blanc, 1 tasse de bouillon de bœuf, 1 tasse de crème 35%, 1 cuillerée à soupe de sauce wasage tailleur, 2 branches de thym frais, 2 cuillerées à thé de fécule de maïs, délayé avec 1 cuillerée à table de crème 35%, 1 cuillerée à soupe de moutarde de Dijon, 1 cuillerée à soupe de moutarde de Meaux et sel et poivre au goût. Dans un chaudron en fonte à feu moyen, je fais fondre 2 cuillères à soupe de beurre. J'ajoute les champignons que je vais faire brunir. Vous pouvez ajouter du beurre au besoin. J'ajoute ensuite les échalotes et je vais faire cuire 1 minute. J'ajoute maintenant le thym et je vais remuer le tout. J'ai ajouté les 2 autres cuillerées à soupe de beurre. Je vais maintenant ajouter les cubes de bœuf que je vais faire revenir pour 3 minutes. Le 3 minutes est écoulé. Je vais maintenant retirer la viande et les champignons pour réserver. Je déglace le tout avec le vin rosé, le bouillon. Je mélange maintenant la moutarde de Meaux ainsi que la moutarde de Dijon. Je vais bien mélanger, faire chauffer et je ferme le feu et nous allons vers la préparation du sous-vide. Je fais chauffer un chaudron d'eau à l'aide de mon thermoplongeur. Et je vais mettre la température de 132 degrés Fahrenheit ou 55,5 degrés Celsius. Dans un grand sac de style Ziploc ou pour faire le vide, je vais déposer le mélange de cubes de viande avec les champignons et l'échalote. Je verse ensuite la sauce sur le tout dans le sac, à l'exception de la crème et la fécule délayée. Une fois la température atteinte, je plonge le sac en submersion pour une minuterie de 36 heures, recouvert si possible d'un couvercle. Il est important de surveiller aux 12 heures pour ne pas manquer d'eau, c'est important. Je vais enlever mon thermoplongeur ainsi que mon couvercle et je vais sortir mon bœuf stroganoff. Bœuf et porc stroganoff. Je vais verser dans un petit chaudron le bouillon sans les cubes de bœuf et porc. Je vais maintenant verser dans un bol les cubes de viande et je vais réserver. Je vais mélanger maintenant et 2 cuillerées à thé de fécule de maïs dans ma crème. 1 tasse de crème. Je vais bien mélanger. Je vais verser ma crème dans le bouillon chaud. Et je vais bien mélanger et faire chauffer pour épaissir la sauce. Je vais ajouter maintenant les cubes de viande ainsi que les champignons. Et je vais réchauffer le tout. C'est prêt. Nous avons servi les morceaux de porc et bœuf, stroganoff, avec des pâtes au beurre et également un pain maison. Je vais saupoudrer un petit peu de persil. Et là-dessus, je vous dis... Bon appétit !